François Roberge. Monsieur Roberge, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roy. Alors, on va aller avec les questions que les parents se posent. Les tests rapides, parce que pour faciliter la rentrée lundi, est-ce qu'il y aura redistribution de tests rapides en nombre suffisant pour que tous les élèves en ramènent à la maison? Oui, tous les élèves du réseau préscolaire primaire vont recevoir, au cours des deux prochaines semaines, plus de 6 millions de tests rapides. Donc, c'est une opération qu'on va répéter encore au mois de février. Donc, deux fois par deux vagues, on va équiper les familles de ces tests-là. Et pour les autres, supposons les jeunes qui fréquentent les écoles secondaires, bien, ils pourront passer par les centres de distribution que sont les pharmacies. Je sais que dans les dernières semaines, ça a été difficile. C'est plus dur, là. Mais on me dit vraiment que c'est par million qu'on va en recevoir vraiment dans les prochains jours. Donc, l'accès sera facilité. Bon. Le protocole, quand il y a un cas ou des cas dans une classe, quel est-il? Résumez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, bon, l'élève qui est malade, bien évidemment, rentre chez lui ou ne va pas à l'école, tout simplement? Mais s'il a été dans la salle de classe, est-ce qu'on ferme la classe ou on ne ferme plus la classe? Non. Donc, un élève qui a des symptômes doit être testé. Si les symptômes se développent en cours de journée, on peut faire un test rapide à l'école, mais on demande aux parents de tester les enfants. Évidemment, on n'envoie pas un enfant symptomatique à l'école sans le tester. Mais donc, un enfant positif à la COVID doit être tiré pour 5 jours, et ça doit faire, avant de revenir, il devra présenter un test montrant qu'il est maintenant négatif, et ça doit faire 24 heures qu'il n'a plus de symptômes. Mais le reste des personnes de la classe ne sont pas retirées et on ne ferme pas la classe. OK. Donc, contrairement à ce qu'on faisait avant, les camarades autour de lui, autour de son pupitre, là, reviennent à l'école comme si de rien n'était le lendemain. Exactement. Puis les familles ayant reçu des tests, soit directement à travers l'école ou même s'en étant procurés ailleurs, pourront tester pour être certains. Là. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de protocole qui dit on ferme les classes aussitôt qu'il y a des cas présents. C'est un ajustement que fait la santé publique, évaluant que l'Omicron est bien différent. Même Dr Boileau, aujourd'hui, lors du point de presse, disait, écoutez, on l'appelle encore COVID, mais Omicron est vraiment différent. C'est comme si c'était même un nouveau virus. Et c'est comme ça que la santé publique l'appréhende en fonction des nouvelles études. Donc, dans quelles circonstances on serait forcé de fermer une classe? Ben, écoutez, ça, c'est une décision qui appartiendra à une direction de la santé publique régionale, mais on n'a pas un protocole qui dit, voici, là, quand arrivent ces deux ou ces trois critères-là, on ferme des classes. Ce qui est prévu, ce ne sont pas des fermetures de classes. C'est tout simplement d'isoler pour des périodes qui sont plus courtes les personnes qui sont positives. On n'est pas dans une démarche où on ferme des classes, on ferme des écoles. Okay. Juste je ne dis pas précision. Que ça n'arrivera pas, mais ce n'est pas la démarche. Très bien. Juste une précision, vous avez dit, pour qu'il revienne à l'école, l'élève qui a contracté la COVID doit présenter un test. Donc, il doit amener dans son sac ou le parent doit aller avec lui avec un test négatif ou le dire, ça sera suffisant? Écoutez, je vais référer, M. Roy, là, je ne veux pas m'avancer, là, c'est vrai que j'ai dit présenter. Il devrait avoir un test négatif, mais pour ce qui est de la validation, là, je vais référer avec le ministère et la Santé publique, je ne peux pas m'avancer sur le détail. OK, parce que je crois qu'il n'a pas à le présenter, si j'ai lu la documentation correctement, mais à voir. OK, les masques, il y avait des demandes depuis plusieurs semaines des syndicats. Dr Boileau, aujourd'hui, a dit qu'il n'y a rien qui montrait scientifiquement que les N95 étaient meilleurs en classe. Vous avez dû mieux respirer quand vous l'avez entendu dire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si un prof veut néanmoins un N95? Bien, les N95 seront fournis, et c'est une nouveauté, pour le personnel scolaire qui œuvre dans des classes spécialisées qui accueillent des élèves qui ont un handicap ou qui ne peuvent pas porter un masque, ou dans les écoles spécialisées. Ça, c'est une nouveauté, c'est important de le préciser. Ils seront distribués au cours de la semaine prochaine, peut-être pas dès lundi, mais dans les prochains jours, on pourra les distribuer. Parce que des fois, on appelle ça des écoles hôpitales, parce qu'ils sont même des milieux de soins. On ne les avait pas, on pourra les avoir. Pour le reste du personnel, écoutez, la santé publique, même en révisant ses études, en faisant un deuxième tour de roue, comme on dit, et en consultant la CNESST, ne recommande pas et ne distribuera pas les N95. On considère que ce sont les masques de procédure, ceux qu'on distribue déjà, qui sont, je dirais, le bon équipement au bon endroit. Donc, si un enseignant veut le porter, il ira en acheter un, c'est ce que vous dites?
Bien, écoutez, je pense pas qu'on va interdire le port de ces masques-là, mais c'est pas ce que le gouvernement va fournir parce que c'est pas ce que recommandent les experts. Très bien. Ventilation. Combien de classes au Québec sont problématiques selon votre fameuse liste que vous aviez faite, là? On avait environ 10 % de classes qui avaient des taux supérieurs aux cibles l'hiver dernier. Depuis ce temps-là, on a donné la directive au Centre des services scolaires de faire les travaux, les ajustements, de réparer. On a donné un budget spécifique pour ça l'été dernier. On en a redonné un autre l'automne dernier. Et les travaux ont été faits. Donc, c'est environ 10 % des classes. Et je vous dirais donc, que c'est combien, là aussi c'est qu'on combien va il en aller reste, en premier. Combien il en reste pour lundi, là? Bien, je ne pense pas qu'il reste de classe à la ventilation problématique, mais dans ces classes-là qui étaient préalablement ciblées, c'est là où on a installé les premiers lecteurs de CO2 qu'on a reçus. Et le réseau m'assure que ces locaux-là sont correctement équipés de lecteurs de CO2. Donc, lors de l'arrivée des élèves, si jamais on se rend compte finalement que l'échange d'air n'est pas suffisant, bien, on aura tout de suite la mesure et ils pourront prendre des mesures supplémentaires très, très rapidement. OK. Vous me dites donc qu'il n'y a aucune classe lundi considéré comme étant problématique dans votre liste dans l'ensemble des classes du Québec? C'est l'écho que je reçois des centres de services scolaires, M. Roy. OK. Puis on peut aussi ouvrir les fenêtres parce que c'est recommandé. Mais ça fait partie. Bien sûr. Oui, ça fait partie des manières de ventiler. Vous savez, ventiler, c'est pas brasser l'air. Ventiler, c'est sortir l'air vicié, faire entrer de l'air frais, puis... J'ai moi-même enseigné longtemps dans une école que, en fait, dont le système de ventilation, c'était l'ouverture des fenêtres. Et c'est ce qu'on faisait. Et même l'hiver, je peux vous dire qu'il y avait la plupart du temps des fenêtres entrouvertes ou alors à la récréation, j'ouvrais les fenêtres pour aérer la classe. Et ça fonctionnait. Et avec le lecteur de CO2, on pourra valider et ajuster ces mécanismes-là, la durée, pour s'assurer effectivement que le taux de CO2, qui est notre indicateur, nous démontre bien que le changement d'air est suffisant. Quand j'étais petit, il y avait ces bâtons, puis on ouvrait les fenêtres. On demandait, il y avait un élève par jour qui ouvrait la fenêtre. Mm-hmm. Les parents, M. Roberge. Là, j'ai reçu plein de courriels de gens qui m'ont dit, oui, mais là, on vient de faire l'école à la maison, on ne va quand même pas nous demander d'aller en classe. Quelle est la participation que vous pourriez demander aux parents compte tenu du manque de main-d'œuvre et des enseignants et autres qui pourraient tomber malades? Oui, j'ai vu ces articles, ces réactions-là. Là. Je suis content d'avoir l'occasion de rétablir les faits. Il n'est pas question de dire que maintenant les parents deviennent des suppléants, puis c'est les parents qui viennent enseigner en classe. Là. Ce qu'on a dit, c'est que le virus circule encore. Il faut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, oui, parfois, un chauffeur d'autobus ne soit pas présent parce qu'on n'a pas trouvé un remplaçant tout de suite. Si c'est un enseignant, bien sûr, on va d'abord se tourner vers la banque de suppléants, la banque d'enseignants. On peut faire de l'enseignement en ligne pendant une brève période pour passer à travers. On peut assigner d'autres personnels. Par exemple, un conseiller pédagogique qui a été longtemps enseignant pourrait revenir prêter main forte temporairement. Et on s'est dit, ultimement, peut-être qu'on pourrait demander à des enseignants, mais de faire la surveillance de groupe temporaire. On ne parle pas de dire que les parents deviennent des enseignants. Alors, on parle de venir faire de la surveillance de manière exceptionnelle et temporaire. OK. Peut-être de la lecture même. OK, très bien. Monsieur le ministre, on se reparlera la prochaine fois parce que c'est important. Là, on n'a pas le temps. Il fallait qu'on règle les problèmes plus techniques reliés à la rouverture des écoles, mais de la réussite scolaire et de ce qu'on va mettre comme bouchée double pour les prochaines semaines. Une dernière question en terminant. Il annonce dans beaucoup de régions du Québec lundi une tempête de neige. J'espère qu'on va être pas trop frileux avant de fermer tout le réseau, là. Ah, bien, écoutez, ça, c'est le genre de décisions qui sont prises par les gens qui sont sur le terrain, chaque centre de service scolaire, en fonction des routes, en fonction de est-ce que sont plus rurales ou urbains. Donc, c'est une question de sécurité, de transport. On va souhaiter que nos écoles soient ouvertes. On travaille assez fort pour réouvrir nos écoles, mais on ne mettra personne en danger, M. Roy va être certain. Merci, M. Roberge. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bonne soirée.